Morgen, allez Iden, nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 Adar Aleph 5776, premier jour de Rosh Chodesh Adar Bet, Chodesh Tov Mvorach, l'étude sera le Lishmat Rivka Batsara, Rachel Batsara et l'Irfuat Tzvi Dov Ben Chaya, nous étudions Baba Kama Perek Dalet Mishnatet. Messaro et Shomer Chinam, Vela Shuel, les Nosses Sachar Vela Socher, Nichnesut Achata Bealim, Muad Meshalem Nezek Shalem, Vetam Meshalem Chatsi Nezek. Kesharo Bealav Bemosera, Venal Befanav Karaoui Veyatsa Veizik, Echad Tam Vechad Muad Chayav Dir Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, Tam Chayav Muad Patur, Shenemar Velo Ishmerenu Bealav Veshamur Ruze, Rabbi Eliezer Omer, En Lo Shmira El Asakim. Une Mishnah qui va parler de. On pourrait couper cette Mishnah en deux parties. La première partie va être de définir le statut du gardien qui garde le taureau de quelqu'un d'autre. Et la deuxième partie va être de définir. Lorsque le niveau de surveillance requis qu'un propriétaire d'un taureau doit surveiller, doit garder son taureau, pour ensuite le dispenser des dommages que son animal pourrait sortir causé. Pour la première partie, on pourrait le faire très court, mais si déjà on a l'occasion d'introduire les quatre shomrim. C'est une notion qui va apparaître très fréquemment. Ça correspond en fait dans Parashat Mishpatim. Si vous regardez là-bas, la Torah a parlé de quatre sortes de gardiens, c'est-à-dire de tierces personnes qui vont détenir mon bien et qui devront en l'occurrence le surveiller pour que mon bien ne cause pas un dommage à quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre ne vienne pas lui causer un dommage. La Torah là-bas évoque quatre sortes de shomrim, shomer chinam, shomer sachar, nosse sachar ve'ashoel. Concrètement, c'est deux gardiens qui peuvent être soit gratuit, donc qui me rend un service, qui me garde gratuitement, soit un chômeur sachar, un gardien rémunéré, je le paye pour qu'il garde, ou il y a encore deux cas qui sont le cas où il me loue mon bien, donc parce qu'il me le loue, c'est à lui maintenant de le surveiller, et le cas du shoel, celui qui m'emprunte. Concrètement, chacun, selon son niveau, aura un devoir de plus ou moins surveiller, et donc sera plus ou moins engagé de dédommager selon le type d'incident qui pourrait arriver à mon bien. Là n'est pas notre propos, concrètement notre Mishnah nous donne une halakha assez simple. Elle nous dit uniquement qu'à partir du moment où je donne mon bien à un de ces quatre gardiens, alors si le bien part causer un dommage, c'est lui qui devra dédommager, c'est ce gardien qui devra dédommager. Si c'est un taureau tam, donc il devra donner, payer avec mon taureau. Parce que Tam Meshalem Migoufo, comme on a déjà appris plusieurs fois, qu'il paye à partir de son corps, dans ce cas-là, il devra ensuite me rembourser, me payer le prix du taureau. C'est ce que la Mishnah nous dit en quelques mots. Messaro le Shomer Chinam. Il a transmis son taureau à un Shomer Chinam, donc il l'a donné à garder. Un Shomer Chinam, à un gardien gratuit. Vela Shoel. Ou bien quelqu'un qui lui a emprunté son taureau. Vela Nosse, le Nosse Sachar. Ou bien Nosse Sachar, celui qui prend un salaire. Donc on parle d'un gardien qui est rémunéré, donc il doit plus garder qu'un gardien gratuit, bénévole. Vela socher, ou bien il a loué mon taureau pour l'utiliser, pour labourer. Et ensuite, alors la Mishnah nous dit, Nichnesu tachata be'alim. Tous ces quatre gardiens, ces quatre sortes de gardiens, Nichnesu tachata be'alim, prennent maintenant prennent la responsabilité du propriétaire. Et donc, de ce fait, Mouad, Meshalem, Nezek Shalem. Si le taureau était Mouad, il était déjà un taureau averti, qui avait déjà encorné, et on parle que le gardien savait, la Gemara précise, que le gardien savait que ce taureau avait déjà, c'est un taureau un petit peu nerveux, donc le gardien qui l'a pris savait très bien à quoi s'en tenir. De ce fait, Mouad, Meshalem Nezek Shalem, quand il le prend, il doit maintenant surveiller ce taureau particulièrement pour qu'il ne sorte pas causer un dommage, et s'il a manqué à son devoir, il devra ensuite dédommager et payer Nezek Shalem, puisqu'il est Mouad, il est averti. Vetam, Meshalem, Khatinezek. Et si le taureau par contre était Tam uniquement, il était simple, inoffensif, pas censé causer de dommages, alors Meshalem, Khatinezek, il devra donc dédommager, payer la moitié du dommage, comme toute la route de Tam. Et de ce fait, puisqu'on aura pris le taureau, il devra lui dédommager, payer le propriétaire du taureau, lui rembourser son prix, ou peu importe. Enfin voilà. Ça c'était pour la première partie de la Mishnah. Il y a de quoi compliquer ça, mais on ne va pas le compliquer. Je vais juste quand même préciser, histoire de donner une Mishnah nette, sans erreur, dans le cas où le Shomer Chinam, le gardien gratuit, garde le taureau, alors dans tous les cas, il est dispensé lui de payer à partir du moment où il a gardé un minimum de surveillance
comme ce qu'on va le voir tout de suite. Et donc, le devoir de dédommager ne sera uniquement s'il n'a pas du tout surveillé le taureau. Retenez juste ça. Pour le cas du Shomer Chinam, le Shomer Chinam, le gardien gratuit, ne doit dédommager de sa poche uniquement s'il n'a pas du tout surveillé le taureau. Mais dès qu'il aura surveillé un tout petit peu le taureau, alors il sera dispensé selon les règles qu'on va tout de suite apprendre, en fait. Je ne vais pas faire le lien dans la Mishnah parce que ça va être vraiment trop compliqué. Il faut s'attendre à maintenant une partie de Mishnah un petit peu compliquée pour la suite. Alors la Mishnah maintenant continue et nous dit comme ça. La deuxième partie de la Mishnah maintenant va parler du cas où le taureau, où je surveille mon taureau. Quel degré, quel niveau de surveillance je dois surveiller mon taureau pour être dispensé? Dans la Torah, de manière générale, on distingue deux cas de surveillance. La surveillance normale et la haute surveillance. Une surveillance normale, c'est une porte qui est... Je mets mon animal dans ma cour, je ferme la porte. De manière normale, mon animal ne veut pas se mettre à sortir, même s'il a la capacité de défoncer la porte ou de l'ouvrir facilement, ou bien un coup de vent violent peut même venir faire tomber la porte. Mais de manière générale, dans le commun des hommes, garde de manière normale les choses, et c'est tout. Ça, c'est la surveillance normale. Et il y a par ça la haute surveillance, qui consiste en fait à assurer que même un malencontreux incident ne vienne pas ouvrir la porte, que même si le taureau s'excite, ne puisse pas l'ouvrir. C'est deux niveaux de surveillance, d'accord? Maintenant, on va découvrir trois avis quant au niveau de surveillance requis pour dispenser le propriétaire. C'est-à-dire, on va introduire d'abord les deux extrêmes qui seront Rabbi Meir et Rabbi Eliezer. Et après, on va parler de Rabbi Yehuda qui sera une autre paire de manches. Rabbi Meir, lui, selon Rabbi Meir, il nous dit comme ça. Surveiller normalement un taureau ne suffit pas. C'est-à-dire, si je ferme ma porte uniquement, de manière à ce que n'importe facilement le taureau puisse sortir, puisse pousser la porte, la défoncer, un coup de vent un peu imprévisible, rien de très étonnant, mais quand même un coup de vent un petit peu fort, vienne et ouvre cette porte. Alors si j'ai voulu maintenant surveiller mon taureau de cette manière, j'ai voulu le garder de cette manière, et que finalement il y a eu cet incident qui s'est passé, et le taureau est sorti à cause d'un dommage, je serai toujours responsable de dédommager, parce que je ne l'ai pas bien gardé. Il fallait mieux le garder. Par contre, si je le fais une haute surveillance, je l'ai bien fermé de manière à ce qu'il ne pouvait pas y avoir d'incident, alors là, si le taureau est sorti de causer un dommage, je serai pas tout. La règle qu'il faut retenir déjà, c'est que je ne dois pas dédommager parce que mon animal a causé un dommage. La raison pour laquelle je suis khayab de dédommager, ce n'est pas le fait que mon animal a causé un dommage. C'est le fait que je devais, moi, surveiller mon animal. De ce fait, si j'ai surveillé ce que la Torah m'a imposé de surveiller, alors si malgré tout il y a eu un incident, je serai dispensé de dédommager. C'est clair? Je répète encore une fois. Je ne dois pas dédommager un dommage causé par mon animal parce que c'est mon animal. Ce n'est pas la cause à effet direct, mais parce que c'est mon animal, j'ai une responsabilité de le surveiller, et parce que j'ai manqué de le surveiller comme il fallait, alors je suis khayab, j'ai le devoir de dédommager. C'est clair, en l'occurrence, à partir du moment où j'ai surveillé comme il fallait, j'ai fait ce qu'il fallait, donc si mon taureau sort quand même et cause un dommage, je serai dispensé de payer. C'est un axiome essentiel pour comprendre tout ce qui va se passer. Maintenant, selon Rabbi Meir, on a déjà expliqué, si je surveille de manière normal, alors je serai quand même khayav, j'aurai un devoir de dédommager, parce que spécialement par rapport au nézek de Keren, de la corne qui est en corne, on me demande de garder beaucoup plus fortement le taureau. D'accord? Ensuite, alors on le fait dans les mots. Kesharo be'alav be'mosera. Le propriétaire, be'alav, le be'alim, le propriétaire, kesharo, kachar, il l'a attaché, be'mosera avec sa laisse. Donc il a pris sa laisse, il l'a attaché, il a fait un nœud. Venal befanav karaoui. Et aussi il a fermé devant le taureau de manière karaoui, de manière normale. Veyatsa veyzik. Et malgré tout, il y a eu un incident. Le taureau s'est fâché, il a craqué la laisse. Ou bien il a défoncé la porte. Veyatsa veyzik. Et il est sorti à cause d'un dommage. Echad tam veechad muad chayav. Que ce soit un taureau tam, ou que ce soit un taureau mouad, c'est-à-dire que ce soit un taureau
pour le moment inoffensif, qui a jamais fait de mal à personne. Ou bien que ce soit un taureau agressif, dans les deux cas, on sera chayav, il sera chayav, il aura le devoir de dédommager, parce que ça ne suffit pas de garder normalement, il faut faire plus, garder beaucoup plus. D'accord ? Divrei Rabbi Meir, tel est l'avis de Rabbi Meir. Je vous ai dit, Rabbi Yehuda, je le saute. Et maintenant, j'introduis Rabbi Eliezer, qui est l'autre extrême. Alors, Rabbi Eliezer, lui, même le faire dans les mots, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais d'abord le faire à l'oral. Rabbi Eliezer, lui, pense que la haute surveillance ne dispense jamais. Même si je le garde très bien, ça ne suffit pas. D'accord ? Dans tous les cas, Rabbi Eliezer dit, un taureau, on ne peut pas le surveiller, il a une raison. Maintenant, Rabbi Eliezer, lui, exprime sa phrase en disant, qu'en plus de ça, nous apprenons une autre halakha. Sache qu'un taureau averti, que ça fait déjà plusieurs fois qu'il part causer un dommage et qu'il tue, il a une seule solution pour être dispensé. T'as une mitzvah d'aller tuer ton taureau, d'aller le manger en grillade, mais ne pas le laisser vivant, parce qu'un homme n'a pas le droit de garder un dommage dans sa possession. Donc si vous voulez, on le lit tout de suite, comme ça on sait acquitter de ça aussi. Rabbi Eliezer Omer, en lo shmira el asakin, il parle d'un taureau qui est mouad, qui n'a de surveillance, il y a de moyens de le surveiller uniquement, et là, ça quine, le couteau, lui trancher la tête. D'accord ? Et en fait, en réalité, il s'agit même d'un taureau tam, c'est assez complexe. Maintenant, j'introduis Rabbi Yehuda. Une fois qu'on aura compris Rabbi Yehuda, on reviendra ensuite sur Rabbi Eliezer, éventuellement. Rabbi Yehuda, lui, nous dit quelque chose de très original. Il nous dit, Rabbi Yehuda Omer, tam chayav ou mu'ad patur. Lorsque je surveille de manière normale mon taureau, alors si l'état, il est inoffensif et que le taureau sort, je suis chayav de payer. Regardez bien comment ça se dépolarise et c'est presque incroyable à première vue. Au mouad, pas tour. Par contre, si le taureau il est averti, il est déjà agressif, donc je l'ai gardé de manière tout à fait normale, alors là je suis dispensé. Je ne me suis pas trompé, vous avez bien écouté, je recommence. Parce que le taureau il est tam, ça ne suffit pas de le surveiller de manière normale. Pour pouvoir être dispensé, il faut le surveiller beaucoup plus. Par contre, si le taureau il a averti, c'est déjà un taureau agressif, alors mouad, pas tour. Ça c'est les mots. Que même s'il est averti, et que quand il est averti et que je l'ai surveillé de manière normale, raisonnable, alors là je suis dispensé. Chez Nehemar et Rabbi Yehuda vient nous dire, attention, regarde, c'est un verset explicite même. Le Veloishmerenu Bealav, le pasouk qui parle du taureau mouad, il nous dit, tu sais, si ton taureau mouad sort encore né, tu devras payer. Tu sais pourquoi? Parce que Veloishmerenu Bealav, parce que tu ne l'as pas surveillé. De là, je déduis que Veshamou Rosé, qu'à partir du moment où je l'ai surveillé de manière normale, qu'on soit clair, lorsque je ferme une porte, il n'est pas censé partir agressé, sauf s'il s'excite un peu trop. Et donc, dans ce cas-là, il sera gardé. Voilà pour les mots de Rabbi Yehuda. Bien évidemment, on a du mal à comprendre toute cette Mishnah, de quoi ça, d'où ça part, où ça vient, qu'est-ce que ça signifie Rabbi Yehuda. Alors on va expliquer ça un petit peu mieux. Faudrait que je fasse la tefillat aderech pour vous expliquer ça, je promets que c'est très délicat. Mais Bezrat Hashem, on va quand même donner quand même des axiomes assez nets. On va commencer d'abord par mieux expliquer Rabbi Meir, d'où le problème commence. Comme ce qu'on a introduit tout à l'heure, une chose de sûre, je ne suis chayav, je dois dédommager, uniquement parce que j'ai manqué à surveiller. C'est clair ? Inversement, si la Torah m'impose de dédommager, ça signifie que la Torah m'impose aussi de garder. Corrélation nette. De ce fait, je rappelle maintenant une notion qu'on a introduite, qu'on a rapportée plusieurs fois dans Baba Kama. C'est qu'un taureau qui encorne pour la première fois, c'est presque imprévisible. Un taureau n'est pas agressif. Il n'est pas censé encorner. En l'occurrence, on avait appris que le devoir de dédommager, de payer le Khatsi Nezek, la moitié du dommage, lorsqu'il part et qu'il encorne, que c'est un taureau tam, alors c'est un knas, c'est une amende. Il n'y avait pas une causalité logique, évidente. Parce qu'en temps normal, selon les règles primaires, on n'aurait pas dû, je ne devrais pas être imposé de dédommager lorsque mon taureau tam pas causer un dommage. C'était inattendu. Puisque c'est inattendu, je devrais être anus. Malgré tout, la Torah m'a dit, tu sais quoi, paye quand même. Pourquoi? Alors, du fait que la Torah m'a dit paye, on déduit de là quelque chose de super. Ça signifie que la Torah m'a dit, je veux pas juste que tu payes pour rien. Je veux que tu payes comme ça, tu vas être encore plus vigilant, tu vas encore mieux surveiller ton taureau. L'axiome est net. Donc je reprends, parce que la Torah
m'a demandé de payer, je déduis de là que j'ai un devoir de surveiller. C'est net ? Ok. Alors maintenant, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, il y a une petite question originale qu'on pourrait soulever de cette manière. Si la Torah m'avait rien dit pour un taureau, tam, si la Torah ne m'avait pas imposé de dédommager, est-ce que les hommes de nature auraient été vigilants, malgré tout, en se disant que ça arrive quand même que le taureau se lève du pied gauche et qu'il se mette en corner un peu tout le monde aujourd'hui, donc les gens l'auraient gardé naturellement un petit peu. Question existentielle profonde. Est-ce qu'un homme qui n'est pas imposé de surveiller son taureau, est-ce qu'il va quand même le surveiller qu'il ne cause pas de dommages, parce qu'il sait très bien que ça arrive, que le taureau il s'excite et qu'il se met à frapper un peu tout le monde aujourd'hui. D'accord ? Question essentielle. Selon Rabbi Meir, non. Selon Rabbi Yehuda, oui. Et à partir de cette différence, chacun va ensuite avancer, évoluer dans la paracha en déduisant des psukim, des données différentes. Le plus évident, c'est Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, je vous l'explique clairement comment ça marche. Rabbi Meir, lui, il part du principe qu'un homme de nature, un taureau n'est pas censé agresser, donc un homme ne surveille pas son taureau. Allez regarder dehors, les gens qui ont des chiens qui sont capables de mordre de temps en temps, ne se soucient pas de marcher toujours avec la laisse, de peur qu'aujourd'hui il va se passer et que le chien est énervé. Non, ils avancent normalement, on vit normalement avec les taureaux. Donc de manière, Rabbi Meir, lui, il fonctionne avec cette approche. Donc un homme ne surveille pas son taureau. La Torah maintenant vient et me dit, tu sais quoi ? Tam, paye-le. Paye-le, c'est un knas, c'est vrai, c'est une amende. Mais malgré tout, ça inclut ce passage qui me dit de payer, implique aussi que garde le plus que ce que tu aurais fait naturellement. Et donc, si je garde plus que ce que j'aurais fait naturellement, je déduis de là que je serais dispensé de payer. C'est clair ? Donc, puisqu'on part du niveau 0, que je ne dois pas surveiller, la Torah m'a dit paye. Donc ça signifie que si je surveille mon taureau au niveau 1, premièrement, je serai dispensé de payer. En théorie, attention, ça ne va pas rester. Mais pour le moment, c'est un mode de lecture de la paracha. On continue. Une fois que la Torah a parlé du tam et qu'elle m'a dit « tu es chayav de payer », la Torah vient et me dit « et si ton taureau, il était mouad, il était averti, ça fait déjà plusieurs jours qu'il est en corne, et que tu ne l'as pas gardé, tu devras payer. » Ce « et que tu ne l'as pas gardé », c'était évident. Si la Torah ne l'avait pas dit, on aurait de toute façon su que si j'ai surveillé mon taureau, je serais dispensé de dédommager. Donc pourquoi la Torah avait besoin de me préciser et que tu as fauté parce que tu ne l'as pas gardé ? Rabbi Meir déduit de là que je te demande, autant que pour le Tam, je t'ai demandé déjà d'en faire plus, même pour le Mouad, je te demande d'en faire encore plus que ce que tu aurais fait. Donc, si la Torah ne m'avait rien dit, j'aurais dit Tam, les gens ne surveillent pas du tout, et Mouad le surveille un petit peu. Mais puisque la Torah l'a précisé, tam, tu payes, donc déjà, rien que pour le tam, déjà, je dois le surveiller, un niveau de surveillance niveau 1. Si la Torah insiste maintenant, elle me dit, le mois aussi, tu devras payer, niveau de surveillance niveau 2. Donc il faut que même le mois, je dois le surveiller énormément pour pouvoir être dispensé. Donc de là, on a pris la haute surveillance pour le mois. Et ensuite, Rabbi Meir revient et redéduit le tam du mois en disant, ah, il y a une juxtaposition là-bas entre les deux. De ce fait, même le tam, tu dois le surveiller en haute surveillance. Voilà pour Rabbi Meir, comment Rabbi Meir est arrivé à demander à ce qu'on fasse une haute surveillance, aussi bien pour un taureau tam que pour un taureau mouad. D'accord ? J'espère que c'était assez clair. Maintenant, on va passer à Rabbi Yehuda, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails du mode d'étude de Rabbi Yehuda, parce que alors là, ça va vraiment être difficile. Mais on va quand même rapporter une petite idée générale. Selon Rabbi Yehuda, lui, de manière générale, un homme aurait de toute façon surveillé son taureau. Les gens, ils sont plus vigilants. Ouais, ils ne veulent pas rentrer dans des problèmes, dans des gênes, peu importe. Donc, on part du principe que même si la Torah ne m'avait pas imposé de surveiller mon taureau, et j'aurais été pas tour, j'aurais été dispensé de dédommager. Malgré tout, les hommes l'auraient quand même surveillé, parce que pourquoi rentrer dans des problèmes ? Partant de ce principe, la Torah, elle est venue, elle me dit « Hey, je t'impose de dédommager même le taureau tam qui cause un dommage. » Ah, tu m'imposes de dédommager ? Ça signifie que tu veux aussi que je le surveille plus. Je déduis de là qu'un taureau tam, je dois aussi le surveiller en haute surveillance pour pouvoir être dispensé. D'accord ? Donc pour le tam, déjà, il faut arriver à la haute surveillance. C'est clair ? Rabbi Yehuda, malgré tout, pense que tout ce knas-là, c'est un knas, c'est une amende. C'était quelque chose de... La Torah leur a demandé d'en faire plus.
mais la Torah a juste voulu stimuler un peu plus. Mais à partir du moment où le taureau rentre dans une... dans maintenant, qu'il est devenu mouad, donc c'est devenu son habitude de causer un dommage, alors maintenant, le keren s'avère que le keren devient comme un régel ou comme un chêne, et que dans ce cas-là, mon devoir de le surveiller redevient un devoir de surveiller de manière normale. Les gens ne marchent pas dans la rue en tenant leur chien de peur que... D'accord ? C'est assez délicat, mais il y a quand même une notion importante à retenir, c'est que c'est comme ça. D'après Rabbi Yehuda, il est vrai que le taureau mouad, j'ai pas besoin de le surveiller beaucoup, mais c'est uniquement pour payer la deuxième partie. C'est-à-dire, ça se passe comme ça, il y a deux parties à payer. De manière générale, un taureau tam paye la moitié du dommage. Un taureau mouad paye plein pot, tout le dommage. Le plein pot, ça signifie deux fois la moitié du dommage. D'accord ? Ouais, deux demi, ça fait un. Donc quand la Torah elle me dit « Tam, tu le surveilles beaucoup » et « Mouad, tu n'as plus besoin de le surveiller », alors j'ai plus besoin de le surveiller tellement, ça suffit de le surveiller moyennement pour pouvoir être dispensé. Alors là, on ne parle uniquement de la partie « Mouad » supplémentaire, la deuxième partie. C'est-à-dire, si j'ai surveillé de manière normale, je payerai quand même la moitié du dommage quand mon taureau sera « Mouad ». C'est clair, je suppose que c'est très flou, mais... Voilà quoi, on a réussi à le dire et à l'expliquer. Donc je recommence encore une fois. Il y a la partie tam que je dois, pour pouvoir être dispensé de la garder, puisque c'est une amende, l'idée elle est comme ça. Tout ce qui est une amende, donc ça ne fonctionne plus avec de la logique. Ça fonctionne avec, ça te tombe sur la tête et tu payes et tu te tais. Ça c'est pourquoi. La Torah elle m'a imposé, elle m'a dit, tu sais quoi, surveille à fond ton taureau si tu veux t'en dispenser. La Torah elle a cherché à ce que les gens soient encore plus vigilants. Elle a un peu donné un devoir hors norme, en fait. Donc, de ce fait, la Torah m'a dit, tu veux t'en faire dispenser, c'est uniquement si tu le fais haute surveillance, mais sinon tu seras toujours chayav de payer. C'est notre moyen, hein, à nous, de stimuler les gens à ce qu'ils surveillent mieux leur bien. Par contre, quand le taureau devient mouad, que là maintenant ça rentre dans l'habitude normale d'un taureau excité d'encorner, alors là, la Torah, elle n'est plus là en train de m'imposer violemment cette amende. Alors, la partie amende qui était déjà là sur la moitié du dommage, elle restera. Mais la deuxième partie qu'on a rajoutée, je serai dispensé de la payer. De la payer. D'accord, c'est clair? Je refais maintenant ça dans les mots, cette partie-là. Ciao, vous inquiétez pas, hein, dès demain, ça deviendra un petit peu plus normal. Mais voilà. Ciao, be'alav, be'mosera. Si le propriétaire... Je recommence la deuxième partie de Mishnah. Ksharo be'alav be'mosera. Le propriétaire a attaché cet animal be'mosera avec sa laisse. Ve'na'al be'fanav kararoui. Et il a fermé la porte devant lui de manière normale, plausible. Ve'yatsa ve'izik. Et malgré tout, le taureau est sorti et a causé un dommage. Echad tam ve'chad mu'ad chayav. Qu'il s'agisse d'un taureau tam, inoffensif, ou d'un taureau mu'ad, averti. Dans les deux cas, chayav, on aura le devoir de dédommager, parce que tout ça, on considère que c'était une surveillance de niveau 1, et que si tu veux te faire dispenser, il faut le surveiller de niveau 2, d'après Rabbi Meir, d'ivre Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, il nous dit comme ça, Rabbi Yehuda Omer, tam, chayav, si tu as fait uniquement le niveau 1, alors tu as raison que tam, chayav, sur le taureau inoffensif, alors tu as raison, Rabbi Meir, qui sera chayav, il faudra le surveiller. Ou mouad, pas tour. Par contre, si ton taureau est devenu averti, alors tu seras dispensé de payer cette deuxième partie. Pourquoi ? Chez Neymar, car la Torah m'a insisté, m'a dit, Velo Ishmerenu Be'alav. La Torah m'a dit, pour payer cette deuxième partie, tu rentres maintenant dans la file des dommages habituels, normaux, et que tu es fautif parce que tu n'as pas surveillé, la même surveillance que je te demande dans n'importe quel Nézek, Velo Ishmerenu Be'alav, Vechamurze. En l'occurrence, ton taureau, il est surveillé. Donc tu ne payeras pas ce supplément de la deuxième partie. La première partie que tu payais, qu'il fallait uniquement la haute surveillance pour en être dispensé, ça te reste dessus. Ça, c'est le partenaire qui va nous dire, c'est la Gemara qui l'a dit. Mais par contre, la deuxième partie, à partir du moment où tu as surveillé de manière normale, alors tu seras dispensé de la dédommager. Rabbi Eliezer Omer, par contre Rabbi Eliezer lui vient et nous dit, oh là, moi je ne suis pas d'accord avec vous tous, c'est pas explicite dans ces mots, c'est la Gemara qui le déduit. Alors, En lo shmira ela sakin, tu ne peux dispenser, lui parle spécifiquement sur un taureau mouad, il nous dit un taureau mouad, à partir du moment où il devient mouad, tu n'as aucun moyen de te faire dispenser du dédommagement, si ce n'est le fait de l'amener au shochet et qu'on mange des bonnes grillades pour Rosh Kodesh. Alors maintenant on fait le Bartenora,
Benaal Befanav Karov. Le Bartanora il se rapporte sur la. On saute directement à la deuxième partie de la Mishnah, où il y avait marqué là-bas Benaal Befanav Karov, qu'il a fermé la porte de manière normale. Bedelet Sheyechola la Amod Beruach Metsuya. C'est quoi fermer de manière normale? Une porte qui est censée tenir avec un vent normal, un vent fréquent. Ve'ainu Shmira Pruta, et c'est ce qu'on appelle dans la Gemara ou dans le Chasse, de manière générale, Shmira Pruta, un niveau de surveillance moindre, minimal, toléré. Ensuite, on avait vu comme ça. Rabbi Yehuda Omer, Echad Tam Chayav ou Mu'ad Patur. Le Tam, qu'on a surveillé de niveau de surveillance 1, il sera quand même Chayav de dédommager. Mais le Mu'ad Patur. Par contre, le Mu'ad, une fois qu'il est devenu averti, habitué à endommager, alors il sera dispensé si on l'a surveillé de niveau 1. Bartonora nous précise, attention, Mitzada Adash et Bo, sur la partie, ouais, sur la partie de Mu'ad qui est en lui, la deuxième partie, le deuxième supplément, la deuxième moitié. Aval Tzad Tamut, par contre, la première partie de Tam qui était en lui, qu'on avait dit que tu dois surveiller de haute surveillance pour te faire dispenser, attention, celle-ci, Bim Koma Omedet, elle est restée à sa place, elle. Et donc même le Mouad, il devra au minimum payer la moitié du dommage comme un taureau tam, un taureau inoffensif, que cette partie-là, elle se colle à lui, elle ne bouge plus, lui. Dirtiv veloishmerenu gabe Mouad. Dirtiv veloishmerenu gabe Mouad. Parce que ce que la Torah nous a dit, veloishmerenu et qu'il ne l'a pas surveillé, ça a été dit uniquement sur le Mouad. Ah, shamro kol de upatur mitzadahada. De là, je déduis que s'il a surveillé une surveillance Pruta, moindre, minimal, toléré. Alors, ça suffit pour le dispenser de cette deuxième moitié. Mais par contre, la première moitié qu'il devait payer, elle lui reste, elle est collée dessus. Parce que cette première moitié-là, elle est comme ce qu'on a expliqué, elle est un peu un niveau de knas, d'une amende, quelque chose de pas logique, de cause à effet direct. C'est un... On t'a collé ça pour que tu t'efforces encore plus, et c'est tout. Il n'y a pas à discuter et à dire c'est pas logique ou logique, pas logique. Quand c'est des contraventions, on brûle un feu, on paye un certain prix, il n'y a pas une logique. On a voulu mettre quelque chose de dur dans la tête des gens pour qu'ils se calment. Donc c'est tout. Rabbi Eliezer Omer, en lo shmira la mouad, et la sakin ad jishretenu. Rabbi Eliezer nous dit, alors, là c'est un peu là la complexité, mais en tout cas, la phrase elle-même de Rabbi Eliezer se rapporte sur le taureau mouad. À partir du moment où tu as un taureau dangereux chez toi, alors la Torah nous a dit, lotasim damim bevetecha, c'est un interdit d'avoir à la maison des choses dangereuses, de laisser un fil électrique découvert, par exemple, c'est un danger, un enfant peut partir mettre les doigts, il y a un issour de la Torah de laisser l'otasim damim beter, on n'a pas le droit de laisser quelque chose de dangereux. De la même manière, lo yegadel adam kelevra betoch beto, on n'a pas le droit d'avoir un chien dangereux à la maison, c'est explicite dans la Gemara. Donc, en l'occurrence, un taureau qui est encore né déjà trois fois, qui est trop excité, en lo shmira el asakin, on ne peut le surveiller, on ne peut s'acquitter de son devoir uniquement en l'égorgeant. Alors le Batanoir nous fait quand même un petit sidikoum, parce que un petit résumé, il faut au moins retenir quelque chose de clair dans cette Mishnah qui est assez complexe. Veshalosh machlokot badabar, il y a trois avis sur cette Mishnah. Le Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, Shmira Pruta Chayav, ou Beme ou la Patour. Si on garde de manière moindre, on sera toujours Chayav, on sera imposé de dédommager. Ou Beme ou la, par contre, si on fait une autre surveillance, niveau 2, on sera dispensé. Rabbi Yehuda, alors Rabbi Yehuda, attention, Beshmira Pruta, Nami Patur, Mitzada Ada Shevo. Si on le surveille au niveau 1 uniquement, alors on sera dispensé de payer le supplément de la Ada, du fait qu'il soit devenu un Shor Mouad. Aval Chayav al Tzad Tamut Shevo. Par contre, on sera quand même Chayav de dédommager sur le Tzad Tamut, sur la première moitié à payer. Hachi Shmirenu Shmira Meula, jusqu'à que pour se dispenser de cette de ce devoir de dédommager même cette première moitié, il devra uniquement faire une shmira meula, une shmira de niveau 2, un top. Le Rabbi Eliezer, le troisième avis, Bemeula Nami Chayav. Même quand il le surveille parfaitement, il sera quand même Chayav de dédommager. Ve'alacha ke Rabbi Yehuda. Bartanora nous tranche, l'alacha nous rapporte, l'alacha est fixée comme Rabbi Yehuda. Omiyo lechatrila mitzvah lishchot shora muad. Que dès les salaks à Ezek, sur ça on retient quand même la partie de Rabbi Eliezer, qu'a priori, quelqu'un qui a un taureau qui est devenu agressif, il a pété les boulons. Donc, les khatrila, mitzvah lishchot, shor amouad, que dès les salaks à Ezek, il y a une mitzvah de tuer, d'égorger, de partir, ouais, d'en faire des grillades. Le shor amouad, un taureau averti, que dès les salaks à Ezek, afin de ne pas garder à la maison un animal dangereux.
Et c'est fini pour aujourd'hui. Kol Tov, c'est là. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov et à demain.